Eh bien, yo les potes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur notre série Je crée ma map. On est à l'épisode 4, si je dis pas de bêtises. Et dans cet épisode qui, pour moi, est un épisode pas spécial. En fait, il n'y a rien de spécial. Enfin, si, on verra après. Et donc, dans cet épisode, on va aujourd'hui s'occuper de faire la plupart des champs. Ça va me prendre peut-être du temps. Enfin, je vais essayer d'en faire au moins 2 à 3. Et aussi, on va retravailler sur tout ce qui est la partie des routes. Ça veut dire les faire plus propres, mettre la signalisation. Et ce sera à peu près tout. Cet épisode durera, je l'espère, un petit peu plus longtemps parce que j'ai remarqué que l'épisode était plutôt court. Et ce qui peut être dommage, c'est que j'ai l'impression que ça a bien avancé. Ensuite, dans cet épisode, nous ferons quoi? On partira faire une ferme. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous manque la ferme à moutons. Donc on partira faire la ferme à moutons. Et peut-être une nouvelle ferme à vaches. Et quoique non, pas de nouvelle ferme à vaches maintenant. Je vais en faire une parce que j'ai une idée dans la tête. Mais on va essayer aussi d'aménager aujourd'hui un peu les fermes en elles-mêmes, de revoir les détails un peu partout. Ça va être un épisode bien compliqué. Justement, il ne faut pas qu'il dure trop longtemps non plus, mais il faut qu'il fasse un petit peu plus de 15 minutes au moins. Parce que bon, un épisode de 15 minutes, ça va, mais on n'avance à rien. Et puis aussi, j'y ai pensé là, mais c'est vrai que là où j'en suis, c'en est que on commence à être court, pas d'imagination ou quoi, même si j'ai commencé à avoir du mal à créer des trucs et j'ai l'impression que c'est de plus en plus moche. Hein. Je le vois de ferme en ferme. Hein. La première ferme, elle est vraiment sympa, hein, elle est super belle. Mais la dernière que j'ai faite là, par exemple, celle des cochons à côté, c'est de la merde. Après, est-ce que j'ai peut-être mal fait, hein, j'ai peut-être fait trop d'espace. Mais donc ça sera sûrement... c'est pas que je veux l'arrêter, hein. Sérieusement je vais me dire c'est sérieux. Mais je sais pas pour combien d'épisodes on va encore en avoir. Peut-être 3-4. Ce serait bien. L'histoire qu'on fasse à peu près 10 épisodes. On va prendre notre temps quand même. Hop. Donc voilà, ça c'est pour... Je voulais vous le dire, comme ça vous sachiez. Donc si vous avez des idées de ce que je pourrais mettre, de ce que j'ai pas mis... n'hésitez pas à mettre dans les commentaires hein. Et je vais voir si c'est réalisable. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Je crois que c'est tout. Du coup, là, on est en train de faire le champ. Enfin, on est en train de faire un nouveau champ. On est à côté de la... le grain d'ailleurs. Ah oui, voilà, ça aussi il faut qu'on le fasse, il faut qu'on mette les points de vente. Ça je ferai ça au fur et à mesure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais abandonner mon tracteur là. Tac. J'appuie sur une touche. Oh. Et là on va tout simplement s'occuper de faire la signalisation, et puis après on accélère vu que ça va me prendre du temps. Je referai tous les bords de route là, vous voyez c'est moche comme ça. Vous voyez, il y a des endroits, c'est pas bien fait. Alors, on va s'occuper de la signalisation. Bâtiment. Décoration. Ah, il y a beaucoup trop de décoration, ça bug. Alors, les panneaux de circulation, ils sont où? Où sont-ils? Là il y a le marquage au sol, on va en placer un peu, juste les sortes de faire les stops et tout, mais pas de bande au milieu, c'est trop la merde. Où ils sont? Bah, je les ai au moins. Mais non. J'ai même pas mes panneaux. Eh bah bravo. Bon, on va déjà faire le marquage au sol au niveau... oui, le marquage au sol tout court. Et après, on va gérer...
pour le prochain épisode, on mettra les panneaux. Parce que là, je les ai pas avec moi, malheureusement. Je croyais les avoir pourtant. Et ben non. Alors, ils sont où? Ils sont passés où? Ils sont là. Moi, c'est ça qu'il me faut. Pour faire simplement les stops de ce genre de truc. Alors là, on va faire un premier stop ici. Tac. On va tourner ça comme ça. Alors, on essaie de bien caler. Voilà, comme ça, il est pas mal. Ensuite, on va en recaler un en face. Et voilà, stop, ici c'est fait. Ensuite, où c'est qu'il y en a? Là. Comme ça, voilà. Ouais, je l'ai pas bien placé là. Ensuite, ici, tac. Ensuite, là. Comme ça. Des fois, c'est compliqué de les mettre droit, donc je fais comme je peux. Il est pas très droit, c'est pas la fin du monde. Ah, ça veut pas les mettre. J'arrive pas à les mettre droit. Enfin, les caler, vous voyez, il y a un décalage. Je bouge. Voilà. Ici c'est bon, là-bas il n'y en a pas besoin. Ici il n'y a pas besoin. Ici il y a besoin. Ah ouais, non, ici je vais pas mettre de marquage au sol, c'est dans la pente, ça va faire dégueulasse. Genre le marquage au sol il va voler, ce sera moche. Là on est bon, ici c'est bon. Non, il faut le mettre là. Comme ça, ouais, c'est mal fait. On est à peu près bon de ce côté. Ah oui, du coup, dans l'offre, comme vous pouvez le voir, j'ai refait tous les mains. J'ai fini de faire les routes. Donc après, il faudra redétailler les petites routes et tout, mais la plupart est fait, donc c'est déjà bien.
Tac. Là-bas, il y en a un. Non, là-bas, c'est pas bon. Faut encore que je termine des trucs. Ici, c'est moche. Là, vous voyez, j'ai fait ça. J'y ai mal fait. Faut que je retravaille. Vous voyez, les routes comme ça c'est mal fait. C'est parce que quand je passe, je peux pas faire comme ça et tout. Du coup, ce que je fais, c'est que je me cale comme ça et je fais comme ça. Et si je fais comme ça fait moche. Et bah, je crois qu'on a terminé, hein. Il nous reste plus aucun marquage à faire. Enfin, à part ceux où je peux pas et là où c'est pas terminé comme il faut. Et bah, on est bien. C'est très bien. Qu'est-ce que je vais faire? Bah. Et maintenant, on va continuer de décorer un peu. Ouais, je vais continuer de décorer un peu. On est quoi là? Je fais combien d'enregistrements avec vous? Je suis à 10 minutes. Et ben, je vais vous faire accélérer un petit accéléré où je vais tout simplement rajouter beaucoup de détails dans la ville. Allez, les amis, à tout de suite! Donc voilà les amis, j'ai terminé de faire les décorations comme vous avez pu le voir, enfin de faire donc ce que j'avais à faire. Et j'ai terminé le champ. Et donc là aujourd'hui on va continuer la stabulation. Alors je l'ai posée là pour me dire que ça fait 2 jours qu'elle est là. Et on va s'occuper donc de la faire là maintenant. Ensemble. Alors, tac, on va retourner dans le shop. On va aller dans enclos. Alors je vais peut-être prendre. Je vais peut-être pas prendre, pardon, ce poulailler. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en poulailler? Ça c'est pour les vaches, cochons, sheep. Les poulaillers, ben, il y a celui-là. Il n'y en a pas énorme, hein, mais. Ouais. Bon, bah, on va rester sur celle qu'on a déjà. 400 donc. Bim. x2, est-ce que j'en replace une deuxième? Est-ce que ça vaut le coup? Non, on va pas en placer de deuxième directement. Hop, on va prendre un silo. Alors, un silo pour stocker le grain, un petit pain, un truc énorme. Et ben voilà ça. Alors, on va le mettre où maintenant? La bûche pour vider, elle est là.
Comme ça. Donc là, on a une belle réserve, hein. 31 x 4, ça fait, je sais pas. On a déjà une réserve. Qu'est-ce qui nous manque d'autre maintenant? Donc ça c'est un poulailler. Bah, en vrai, il n'y a pas grand-chose à faire sur ces fermes-là. On va mettre une entrée déjà, un petit chemin. On va détailler autour avec la forêt. Et je vais placer un petit bâtiment. Alors, un bâtiment. C'est vraiment un petit bâtiment qu'il nous faut, hein. Faut pas un truc énorme. Ça, celui-là il ira bien là. Vous voyez, juste là, là. Bim. Oula, a bougé un peu la terre. Est-ce que si j'en mettrais un deuxième à côté, ça irait pas bien aussi? Non, juste un, ça suffira. Un comme ça, je regarde ce qu'il y a d'autre en bâtiment. C'est tout. Ouais, c'est tout, ouais, ça va le faire. On va faire un petit chemin. Alors, on va faire. Tac 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 tac. On passe sur le mode terre. Alors la terre, elle est où? Elle est là. Donc on va faire un petit chemin. Oula, oh. Je peux pas venir là-bas, ça veut pas. Ça comme ça, là on passe ça là. On va faire derrière. Comme ça, bah oui, là c'est pas mal. Ça fait une petite ferme sympathique. Donc maintenant il reste plus qu'à mettre un peu de déco. Alors une maison aussi, ça pourrait être pas mal. Petite maison, est-ce qu'il y a de beau? Ça. Je sais pas quel mode c'est, mais je peux placer n'importe autant de maisons que je veux. Je sais pas quel mode c'est.
pas mal. Bon. Qu'est-ce qu'il nous faudrait d'autre dans divers? On va caler un petit portail, quoique j'en vois pas l'utilité. Qu'est-ce qu'il y a besoin pour les poules? Pas grand-chose, hein. On va mettre un petit karcher là. Bim. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Un atelier. L'atelier, je vais le caler. Je vais le caler comment? Il est où l'atelier? Comme ça. Regardez ça. Et ça va venir juste là. Voilà. Quoi d'autre à mettre? C'est tout. C'est tout. Ouais, ça c'est pour les. Il manque plus que donc je vais vous faire un accéléré et après on se retrouvera pour la fin de la vidéo. Et là je vais juste m'occuper de faire la déco tout autour et de terminer les détails. Allez, à tout de suite! Et bien donc voilà les amis, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, donc voilà ce que j'ai fait à la fin, j'ai vraiment détaillé, ça y est j'ai découvert ce machin, j'avais totalement oublié, je peux faire masse déco, ça rajoute beaucoup plus de volume, c'est magnifique. Et donc voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, moi ça me fait super plaisir, ça me soutient énormément. Et bah du coup, bah moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao tout le monde!